démissionnais dans les fermes laitières en bio depuis avril 2009. Et le lait, on le transforme en beurre et en fromage. Un tout petit peu à la ferme, et puis une bonne partie dans les points de vente où on va déposer nous-mêmes, et puis le reste c'est chez un grossiste qui va livrer lui-même dans les magasins. Que j'arrive à la pension et que de toute façon, s'il n'y a pas de successeur, on arrête. S'il y avait quelqu'un qui se présentait, on en a profité. J'ai beaucoup d'ennuis. Je trouve que ceux qui n'ont pas de repreneur dans leur famille ne doivent pas s'en plaindre. Le fait qu'il y en ait un qui arrive, qui en plus travaille très bien, qui commence à faire progresser le bazar, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'ennui, hein, beaucoup de fatigue. Mais c'est une satisfaction, mais certainement pas une facilité. Moi, parce que je savais que j'allais jamais m'ennuyer. Juste ça. Je avoue que c'est vraiment ça. Sinon, je pense devant pourquoi on le fait, mais je crois que c'est vraiment ça. Juste la peur de s'ennuyer et... Le fait que ce soit hyper diversifié, quoi. Moi, j'ai essayé d'aller faire autre chose et j'ai jamais été aussi malheureux de ma vie. J'ai l'impression de servir à quelque chose, de produire quelque chose et de faire un travail qui a du sens. Et il y a plein d'opportunités. On peut tout le temps développer des projets sur une ferme. On peut partir dans tous les sens et ça aussi, c'est cool. Entre nous, ça a été très simple. Mais après, tout le reste, c'est pénible. C'est une étape, on espère qu'elle sera très vite derrière, quoi. C'est des papiers tout le temps, dans tous les sens. Il y a toujours moyen de trouver une aide, c'est juste que des fois, c'est compliqué de trouver la bonne aide. Et il y a des personnes compétentes pour différents services. Donc, c'est pas le tout de trouver une bonne personne, il faut en trouver plusieurs, quoi. Ça, ce serait vraiment très intéressant de centraliser tout, et que tout se passe à un seul endroit, et que toutes les étapes soient bien... Enfin, que ça suive bien, quoi. Moi, je l'ai reçu, mais Anne-Laure et Jean-Philippe ne l'ont pas encore reçu. Il y a beaucoup de choses qu'on a en tête, qu'on aimerait bien faire avec cette aide, mais tant qu'on ne l'a pas reçu, on se retient un petit peu, parce que sinon, on entre après. Il faut faire attention à ses dépenses. Ici, c'est faire évoluer la ferme pour encore plus de durabilité, plus de bonne gestion au niveau du travail et une meilleure qualité des produits finis. Eh bien, s'ils continuent à bien travailler comme maintenant, il n'y a pas de problème, ils sont bien en route, bien stabilisés. Ils ont un bail de carrière qui leur permet de rester jusqu'à la pension. Donc ça dépendra uniquement d'eux. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. Moi je suis assez optimiste parce que je vois que par exemple on a survécu à 4 années de sécheresse. Il y a tout le temps des défis à relever et on arrive toujours à trouver des solutions. Enfin, l'avenir il va dépendre du climat, des gens, des habitudes de consommation des gens. Et nous, on essaiera toujours de s'adapter à ça. Hein. Le principal enjeu pour l'avenir, il se situe, oui, à une production de qualité, à une information de qualité pour les consommateurs, parce que ça, c'est un petit peu le danger qu'on perçoit maintenant. C'est que parfois, on voit l'agriculture du passé qui est juste un petit peu mieux habillée et qui passe auprès de ces consommateurs-là. Ça, pour nous, c'est un danger parce qu'on a choisi la qualité et derrière, il y a des gens qui arrivent avec une qualité qui était celle d'avant et on arrive à leur faire passer, à leur mettre dans la tête des consommateurs que c'est la même chose. Et ensuite, le défi supplémentaire, ça va être de faire en sorte que tout ce qui est logistique et distribution reste accessible aux nouvelles habitudes de consommation aussi.